Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On S'en Parle. Alors, nous voici déjà à la dernière émission de la saison 2017-2018 de On S'en Parle. Alors, on revient à nouveau. En politique, avec mon invité et analyste, Maître Marc Lemay. Maître Marc, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Euh, il faut dire aussi que cette émission-là est enregistrée en après-midi du 23 avril. Donc, entre le 23 avril et le 9 de mai, je ne pense pas qu'il se passe beaucoup de, de choses. Oui, Martine, votre parti. Peut-être. On ne sait pas. On ne sait pas. Ah, euh, C'est la suspicion. Euh, euh, que Jean-Martin Ancien non. va retirer <laughs> sa candidature. Euh, de toute façon, <laughs> mesdames et messieurs, mon analyste, Maître Marc Lemay. Bonsoir, Maître Marc. Bonsoir, bonsoir. Euh, on a fait une bonne émission il y a deux semaines passées. Euh, on s'est ostiné pas mal. Et puis euh, on ne reviendra pas non, sur non, les non, sujets. Non. On ne reviendra pas parce qu'on va encore. On va encore s'ostiner, des... on, on va aussi. encore s'ostiner, puis il sait que j'ai raison. Fait que... Bon. <laughs> il faut toujours donner raison au plus âgé. Ah, voilà. Merci beaucoup. Alors, vous avez raison, monsieur Lemé. <laughs> euh, Maître Marc, on va parler du budget provincial, le budget euh, Light Ao, euh, qui au dire euh, de tous les ministres et députés libéraux, ce n'est pas un budget électoral, mais un budget de bonne administration. J'aimerais avoir une autre opinion. C'est probablement ça aussi. Tu sais quand on dit le cynisme en politique, on en parlait la, la, le 15 jours, C'est exactement ça. Essayez pas de me faire croire que c'est pas un budget préélectoral. J'en crois pas de note, pas de minutes, pas, pas, écoutez. Y a trop de, y a trop de choses. Parce que ce que j'aime pas. OK, Non. Ce que j'aime. Beaucoup de réinvestissements. Oui. Ça, ça veut dire qu'on a coupé beaucoup. Sauf que beaucoup de ces réinvestissements-là sont sur cinq ans. Oui. 2018, 2018, 2019, 2019, 2019, 2019, 2019, 2019. Okay. Donc, presque à la prochaine élection. Oui. Et si vous ne me réalisez pas, bien ça se pourrait bien que plusieurs de ces mesures-là aient taboué. On Mais les mette pas si en on met pas. Si on met, si on promet tant d'argent dans oui. les infrastructures oui. et dans tout ce qui oui. s'ensuit, c'est parce que depuis plusieurs années, on les a délaissés. Non, non, ça, c'est tout. Vous avez parfaitement raison. Ça, n'y a pas de problème là-dessus. Les écoles qu'on euh, va refaire, oui. les toitures. J'ai même dit, j'ai, même dit. Ils vont tellement avoir d'ouvrages qu'il y aura pas assez d'entreprises qui vont être capables de refaire les toits des écoles dans ce budget <laughs> ici. Ouais, là, ça n'a pas de bon rôle, oui. Tout le monde est pris. Mais c'est pas ça. Ce que je dis, c'est, y a un autre gouvernement. Prenons une hypothèse. On verra ça. On s'en parlera en octobre, là, mais. Prenons une hypothèse où c'est la CAQ qui prend le pouvoir et qui dit non, moi c'est bonne valeur, mais moi le 5 ans là, pour euh, la justice, on a promis 100 millions par année en justice pendant 5 ans. Non, 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 on va, on va ça, on va mettre ça ailleurs. C'est le, le prochain gouvernement, s'il n'est pas libéral, va, va avoir de, des questions à se poser. Puis que, comme ils font à toutes les fois. Mmh. Puis on il va prendre voir... des dossiers, on va les examiner. On ne pensait jamais qu'il y avait un tel déficit. Oh, on est obligé de resserrer ravis. Et même M. Létao le laisse entendre. Hein? Oui, 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 oui. oui. Parce oui, qu'il oui. le dit. Il a dit soyez, bon, soyez avertis que si jamais il y avait une crise, que les finances publiques étaient en difficulté possiblement que nous serions obligés de revoir certaines de de, 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 de nos annonces <laughs> Et ça ça veut dire quoi, ça? -là, là? Ben, ça veut dire que si on n'est pas capable, on n'est pas capable. Et ça, de... c'est comme ça à chaque élection. Ben oui. Ça va être remarqué. Euh, si le parti au pouvoir est battu, il y a quatre ouais. d'entrée du nouveau parti. On l'a vu au, euh, au municipal avec. Ben oui. euh, que que j'appelle ça sourire, là. Madame Plante. Ben, Valérie. On l'a vu avec Madame Valérie Plante. Ah, ben là, je ne pensais pas qu'on était si endetté que ça. Il y a des choses qu'on ne pourra pas faire. Dans ben. le Prochain Gouvernement, s'il si n'est pas libéral, comme vous avez dit, mais là, on va prendre les chefs Ah, ben là, on n'avait pas vu ça, il nous ah, avait pas dit ça. Donc, ça, on peut pas faire ça. Mais c'est de même pour chaque fois. Oui, mais c'est parce que là, ce que, que moi j'aime moins dans ce budget-là, c'est que généralement, tu ne fais pas un budget sur cinq ans. J'ai toujours dit, cependant, que c'est une... Maudite bonne idée. Oui. Parce que si ton gouvernement lit les prochains gouvernements pour cinq ans, on a toujours dit à Ottawa, ton programme d'infrastructure, tu vas-tu nous sacrer patience qui dure juste un an et qu'il faut toutes les fois se rebattre pour aller en culture, communication, mettre télé sur cinq ans. canal, vas-y. Voilà. Puis là, on a le programme d'infrastructure, c'est ça, puis le programme de ci, puis le programme de ça, pas en éducation, pas en santé. Fait que de même, on sait on, on s'en va tout le monde, puis on peut budgeter. S'il reste des grenades, il restera des grenades, mais au moins on, on a quelque chose dans dessous des pieds. Puis si l'économie va mieux, tant mieux. Puis si l'économie va mal, ben on va vous dire, garde-là, là, on ne peut pas dépenser plus parce qu'on le dit, là, c'est sur cinq ans. Bon, je sorte. Mais il y a une chose, par exemple, euh, Maître Remarque, vous allez être d'accord avec moi, c'est que euh, là, on se dit, bon, ben là, le gouvernement au pouvoir, les élections en octobre 1er octobre 2018 là on lance des millions à gauche puis à droite puis là on a on a mais on dit pas on s'est serré la ceinture on dit qu'on a bien administré non, puis là a, on a, a des surplus les, des surplus on les envoie mais ça là c'est à chaque élection et c'est chaque partie ouais, c'est plus ça que aussi, ça c'est plus que ça parce que si on, si on dit qu'on s'est qu serré à la ceinture. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu une réorganisation fondamentale de la société québécoise. En tout cas, je regarde en santé, en culture, en éducation. Oh, oui, attendez là, oui. attendez. On a re... Le problème, c'est qu'on ne va pas re-régionaliser ce qu'on vient de centraliser. C'est-à-dire que... Toute l'infrastructure du, du ministère de la santé ouais, qui s'appelle le Dieu. Centre intégré de mon santé et de services sociaux, sociaux. n'en vivez pas le. Restez ça bien ça calme. Pas, pas de... tout. Non non non. Pas de tout. De tout, de tout. De ça c'est clair. De ça c'est clair de ça, de de ça, de de clair de clair. De Puis est-ce que ça fait l'affaire des ah. autres? Parti politique. Ben là, on n'a pas <laughs> les autres gouvernements. Regardez, regardez, c'est l'ancien gouvernement ça, qui a fait ça avec nous autres. Hein? Nous mais, on peut mais, pas toutes de faire ça, ça pas de bon sens. Mais, ça va coûter des, ben, des, des, des centaines de millions. Et, et quand, quand nous autres, et, 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 et ce que j'aime bien, c'est quand j'entends un gouvernement qui ose me dire, on est un gouvernement des régions, on aime ça, on veut, on veut absolument la, faire la promotion de l'occupation du territoire. Là, chez moi, quelqu'un, c'est pas ce qu'il y a dans ce budget-là. C'est encore très centralisé. Il y a des programmes. On regarde encore les programmes. Je, je regarde juste, 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 le programme d'infrastructure, juste les routes, là. Oh, pas Dieu. compliqué, là. On enregistre, là. Ils vont commencer à faire de la au mois de mai, là. OK, là. Il y aura jamais assez de troc de ouais, non, jamais assez, Ah mais c'est pas ça. ça. Il, il, il va manquer de bitume. Non, oui, oui ben c'est pas du bitume. On va marquer des entrepreneurs. Ben oui. Comment voulez-vous? Ben oui, c'est sûr. Fait que l'entrepreneur, qu'est-ce que tu pensais qu'il va faire? Il va dire. Toi, Rouen-Aranda, ou bien toi, la là je t'annonce tout de suite que ton entrée de rue, là, oublie ça. Je ne peux pas faire ça avant le mois parce que je suis pris d'un Laurentide à quelque part près de la Conception. Fait que étouffe-toi. Si j'ai le temps, on vient te faire ça. Fait que nous autres, on va passer tout l'été avec nos nids d'Autruche. Parce qu'on est en région. Nos nids d'Autruche. Oui, Ils n'ont pas nos nids de poule. <laughs> oui. alors. Ce que moi je me dis, c'est c'est vrai que c'est une bonne idée le programme d'infrastructure. Comme là on va refaire les toits des écoles qui y a du moisi, puis tout ça. Mais je veux pas je veux pas exagérer rien là. Mais selon moi, c'est pour ça qu'on a fait les appels d'offres le plus vite possible, parce qu'on les a mis en mars. Oui, oui, puis en oui. mars, ben, on fait les annonces, puis on veut, on veut on veut, que ça marche à partir. On veut que ça, Dès le 22 juin, les étudiants sortent, Ben toute la gang Tout rentre. Tout le monde travaille. Bon. Tout le monde garde Si tu, si tu travailles pas, c'est parce que tu veux pas pour ah, Ça, c'est clair. Ouais. Ça, c'est clair. Tous ceux qui ont une carte de construction, inscrivez-vous, ben, ça va être le fun. C'est ça. Mais. Il va chasser, avoir assez d'entrepreneurs, c'est so « that's the question », on verra ça. Et on s'en parlera, retenez ça, là, puis on s'en parle en septembre-octobre. Des milliards pour le transport en commun de Québec-Montréal. C'est vrai que, en parenthèse, on s'en fout un peu, mais on s'en fout pas trop trop. Parce que, les milliards, je dis pas qu'ils sont mal placés, c'est pas ça. Sauf que, nous autres, là-dedans, on existe c'est clair, mais c'est ça, l'occupation du territoire. C'est ça, le ministère des régions. Je veux dire, ils sont pas capables de donner 120 000 à Autobus maheux qui, qui défendent Matagami parce que, Matagami, vous savez, hein, c'est n'y pas assez de monde, l'autobus de Rouen Ville Marie, il n'y a pas de monde là-dessus là. mm -hmm. mais, mais, dire... mais la ligne bleue du métro, ça c'est important, puis On... ça c'est important le tramway à Québec qui va, par... mais qui va que, passer. Mais que dessous. la personne de Rouen ou de Macémi, peu importe, veut s'en aller à Matagami, pas sûr qu'il va avoir un autobus parce non. que là, là c'est mais ça c'est pas, débat... pas, pas grave, c'est un débat, c'est il va falloir que ces gouvernements là finissent par comprendre, comme en culture, comme en éducation qu'on existe, puis qu'on est là, puis qu'il faut qu'on ait du respect pour ces régions-là qui se développent aussi. là, Parce que sinon, ça ne sera pas drôle quand vous allez avoir tout le monde qui va déménager dans la Brossard-la-Prairie ou qui va ouais, déménager sûr, à Boisbriand. C'est sûr, c'est sûr. sûr. Voilà. Euh, encore, dans le budget, remboursement de la dette, 10 milliards sur 5 ans, économie de 1 milliard en intérêt. C'est quand même un bon placement? C'est un très bon placement. Moi, je pense que c'est une très bonne idée et on va se servir de ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon français, le fond des générations. Ça, c'est <coughs> ça, ça, probablement... Euh, Expliquez-nous, c'est okay. quoi, okay. Okay. le fond <coughs> des générations? Ça, c'est probablement, avec respect, la plus belle patente qu'a fait M. Jean Charet durant le temps où il était premier ministre. C'est-à-dire qu'avec, on va, entre guillemets, obliger Hydro-Québec Obliger la SAAQ, non la SAQ euh, de verser une partie de leur surplus dans un fonds qu'on a appelé le Fonds des, des générations pour payer les dettes qu'on ne veut pas laisser à nos petits. Aux hum. enfants, Pas aux enfants, aux petits, petits enfants, parce qu'on est rendu oui, là. Oui. Alors, il y a une partie, il y a de l'argent dans ce fonds-là, et on a décidé de prendre cet argent-là pour payer rapidement une dette, repayer, rembourser les intérêts de, de, de rembourser la dette, en tout cas rembourser le plus possible. Pourquoi? Puis ça, moi, je trouve ça. Là, là, là je respecte M. Letao probablement beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que lui, il a compris les taux d'intérêt sont bas. Oui. C'est le, 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 le temps de rembourser. C'est le temps de rembourser, ça ne coûtera pas cher, puis on va sauver de l'argent. Puis, regarde, il n'y a pas grand monde qui va chialer. Fait qu'ils vont, euh, vont avoir un gros chèque qui va partir pour la, la banque, je ne sais pas quoi, ou les. Parce qu'il faut qu'on réduise notre fardeau fiscal. Pourquoi? Bien, c'est parce que si on a des projets dans le futur et que là, nous avons euh, une cote, hein, des fois, on est coté. Oui, oh, bien, c'est ça, là, je lis ici, ouais. là, bon. parce qu'on dit qu'avec euh, le dernier budget l'État, l'agence Moody's bon. accorde une bonne note au budget de l'État. Voilà. Alors ça, ça veut dire... Et avec Moody's, c'est gros, là. Non, non c'est gros, gros, parce gros. que c'est tout le marché américain. Et voilà. Qui voilà. Mais Exactement. Pas nécessairement pour aller emprunter demain après-midi à 3h20. C'est de dire, le Québec, avec ce qu'il a fait, avec son fonds de génération, qui va vous rembourser tel montant, a oh, 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 cette faculté de pouvoir emprunter si jamais il y en a besoin au cours des prochaines années. Alors ça là c'est de l'argent en banque en devenir. Tu sais c'est comme si je vous disais Monsieur Lacasse, vous avez remboursé votre prêt auto plus rapidement que prévu. En conséquence, quand vous allez acheter votre prochaine, on vous le dit tout de suite, il va avoir un taux d'intérêt plus bon. Ah ok oui c'est exactement oui. ça. Fait que, hey, euh... Bon, vous dire une affaire. C'est pour ça. Moi, je trouve ça correct parce que les... il faut être honnête. Et je lisais un article récemment, puis je veux pas être plus long là-dessus, là, non, mais je, voulais... je lisais un article. C'est la première fois en 40 ans. Grâce à Monsieur Jean Lesage. c'est loin, là. 70. Qui nous a, euh, dans les années 60. Les Qui oui. nous mettre chez nous. Mettre okay, chez nous. Oui. Mais qui nous a forcé à aller à l'école. Donc, les enfants, ben, en fait, les, les, nos parents, nos grands-parents, n'allaient pas peut-être pas tous à l'école, ils complétaient pas toutes le secondaire, mais aujourd'hui, c'est près de 79% des Québécois québécoises qui ont un diplôme secondaire et qui s'approche en haut de 50% d'un diplôme post secondaire. Vous allez me dire, oh, qu'est-ce que ça rapporte? Oui, meilleur job, oui, oui, meilleur emploi, meilleure entreprise, développement, meilleure économie. Donc, on est en train de rattraper un énorme retard. Puis moi, je trouve ça bien, bien, bien correct. Là, sur, euh, monsieur l'État, moi, je trouve qu'il a une façon de gérer qui n'est pas pire par toutes. Puis tant mieux, ça peut marcher. Tant mieux, euh, là, ce que je veux pas, peu importe le prochain gouvernement, s'il y a des élections, il est sûr qu'il y en a. Moi, je pense que ce qu'a fait M. Létao dans ce budget-là doit être maintenu parce que quand on rembourse une dette, ça veut dire qu'on est capable de le faire. On a un taux de chômage de, oui. de moins que près de 6 maximum. C'est presque le plein emploi au Québec. C'est le temps! Enfin, ouais, que là, on parlait des années 60, puis quand j'ai dit 70, c'était l'air. M. Bourassa. Avec les, euh, avec 60, les barrages hydroélectriques. Avec les barrages hydroélectriques. Qui nous rapportent des milliards et voilà. des milliards à toutes Je... les années. Ça, c'est important. Euh. On va aller avec, mais très brièvement parce que on se perd des chiffres quasiment. Là, avec le dernier budget le fédéral de Monsieur Bill Morneau. Ah ouais. Il <laughs> ouais. Mais il y a juste une chose que ah ouais? je voudrais que l'on parle, c'est que l'économie, elle va très bien au Canada. Elle ah va ben. très 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 bien. On pourra mettre des très 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 amers. Ouais. Va très très bien. Ça va bien. On peut Puis, pas dire... quand on parle pour les cinq prochaines années, on parle d'un déficit d'au-delà de 77 milliards et je prenais un peu plus tard qu'aujourd'hui, euh, le prochain budget euh, déficitaire à quelque chose comme 17 milliards, l'année d'ensuite, 22 milliards et là, on vient de rajouter un autre 7 ou 8 milliards additionnels. Qu'est-ce qui se passe il me semble que ben, ça veut dire que si l'économie n'irait pas bien c'est là qu'on aurait dû ouais, avoir mais, des mais lui mmh. il, 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 eux ils font je vais, je vais essayer d'expliquer de, de, ça vite là. eux ils font le pari que si on a un déficit qu'on investit par exemple par exemple dans le programme d'infrastructure et qu'on bâtit des, des écoles des autoroutes des si des ça des tramways etc., ça va créer de la job en créant de la job, c'est des employés qui vont créer cette job-là et qui vont payer des impôts. Donc, ils font le pari que s'ils si investissent 10, 12, 15 milliards, ben ça en impôts, venir ça dessus, va revenir oui. sous forme okay. d'impôts, oui. puis de taxes, puis de... Bon. Là, la seule chose, on va être là-dessus, on va régler ça de suite. Le seul problème comme M. Trudeau, puis il joue sa carrière politique selon moi là-dessus, c'est le fameux... Pipeline, France ah, mon Lui a dit il va lui, se faire. Lui, lui il, il a va se dit faire. il va se faire. Vancouver veut pas. Mais la chicane est pognée pas à peu près là-bas. Pour une fois comme une chicane fédérale-provinciale, pas entre le Québec et l'Ottawa, <laughs> voilà peux-tu oui. vous dire quand je suis bien content? Je suis à l'autre bout là-bas, mais c'est clair, clair, clair que M. Trudeau joue sa carrière politique rapidement là-dessus, pour une simple et bonne raison. C'est que ça, si le Pipeline part pas de l'Alberta pour s'en aller sur le port de Vancouver ou quelque part oui. dans ce coin-là. Oui. Ça veut dire une chose, c'est que n'est pas capable de sortir son pétrole. Non, il n'est pas, pas capable de sortir son pétrole. Et s'il n'est pas capable de sortir son pétrole, ça veut dire plus de troc. Oui, oui, et, oui. Parce que le monde s'en va sur, sur la route. Sur et, la là, route. et là, et oui, là. de fer. Mais là, ils veulent, ils veulent que le pipeline passe. Mais il y a une affaire. Je termine là-dessus. Il y a 15 comtés. Oui. 15 comtés en Colombie-Britannique qui ont voté libéral. Mm -hmm. Il y en a un en Alberta. Ça ne donnera pas plus de voix lui là. là. Ah, non, non, il ne gagnera pas plus de voix en Alberto. Là, non, non, oh, non, 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 ils vont rester conservateurs hein, à Yens, vous la gang. C'est en droite là-bas, là. Perdez pas votre temps là-dessus. Donne... Mais par contre, il risque de perdre les 15 sièges de colombie britannique oui, ça, et par exemple... ça, ça risque d'écouter. De... On aura l'occasion d'en parler, mais ça, c'est l'élection de 2019. Voilà, mais il faut qu'il règle ça parce que c'est clair. Il faut qu'on exporte le pétrole, parce que si on n'est pas capable de le sortir, là, ça n'ira pas bien à chaud. Merci beaucoup. Là, bon je ne pas vous entendre vous forger, là, mais seulement que. Euh, mais... oh, oui, mais on a fâché, mais, mais... On ne passera pas une demi-heure sur ça non. non plus. Mais juste, le fameux voyage de Pierre. De Pierre du garçon de Pierre Trudeau de Justin Trudeau en Inde. Mais c'est faux, la... Non, mais moi, je veux juste savoir le qui qu l'a conseillé. Il a été mal préparé. Ou il a été bien préparé, puis il s'en est foutu. Non, 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 il a été mal préparé. Ça veut dire que clair. ça garde de rapprocher. Moi, j'enverrai ça dehors. ben j'en au moins un ou deux, là. Parce que vous avez vu, après, il est allé au Pérou. Oui. Il est revenu au Canada pour la le, pipeline. Oui, il est oui. reparti pour la France. Il est parti pour la France. Puis il est parti oui. pour le sommet du Commonwealth en Grande-Bretagne. Et là, ça a bien été. C'est drôle, hein? peux-tu vous dire qu'il y en a qui doivent s'être fait siphonner les oreilles, haut aucun... Je pense que oui, hein? oh. Je pense que oui. Parce oh. que, parce que, parce que ça, a été, ça a été réellement une risée. Ah, c'est ça, c'est Puis le... la presse mondiale là, a fait des, gr... des grosses manchettes là-dessus. La presse même... mondiale, puis l'Inde, L'Inde, c'est quand même un pays ben extrêmement oui. il a important. Il n'a même pas été reçu par haut. Oh. Aucun, euh, aucun chef d'état ben, il a été reçu par le premier ministre de de l'inde euh, le, le nom excusez-moi là j'oublie là mais c'est pas ça le problème qui se produit c'est que non seulement elle a été mal préparée elle était mal conçue. Elle s'est mal réalisée. Et on est sorti de là avec rien. — Absolument rien. Absolument Et le pire, c'est que l'Inde est en train de devenir un des pays incontournables sur la scène internationale. Alors moi, je me dis, là, il y a quelqu'un qui va falloir qu'il fasse des rapprochements, puis ça presse. Et oubliez pas, là, je, je, je veux pas aller plus loin, mais oubliez pas que le Canada, au mois de juin, est l'hôte du, du, du G7 dans Charlevoix. Alors, peux-tu vous dire en affaire Il n'y a pas intérêt à faire de gaffe d'ici ce temps-là parce que ça ira ça les malachats. J'aimerais vous ouvrez une porte, M. Lemay. J'aimerais sûr qu'on qu en parle brièvement aussi. Je ne l'avais pas écouté à mes questions, mais vous venez d'ouvrir une porte. Le fameux G7 dans Charlevoix, les 8 et 9 juin ouais. prochains. Euh, Malheureusement, j'espère qu'il n'y aura pas de chaos terrible. Hein, ben, que... ils peuvent pas il, pas. il va en avoir, non, mais, mais oui, il n'y en aura pas sur le site là-bas, c'est certain, clair. Mais, mais Québec n'est pas loin. Oui, mais moi, je pense qu'il n'y aura pas énormément de manifestants. Ce sera pas si terrible que ça. Euh, les manifestants peuvent toujours venir, mais ils ont beau manifester à Québec. Ils vont être tellement encadrés qu'il n'y aura pas trop de problèmes là. Euh, et le G7 est extrêmement important pour le Canada parce que c'est lui qui est le pays hôte. Et bien évidemment, M. Trudeau, et, et là, moi, je peux vous dire, je sais parce que j'ai des amis dans Charlevoix, j'ai des amis qui, qui, qui sont actuellement, qui travaillent sur ce dossier-là. Je peux vous dire qu'il n'y a pas d'erreur à faire là. Euh, le Canada joue son image sur la scène internationale. Oui, oui. Et rappelons-nous, parce que le G7, c'est les sept pays les plus importants du monde. Hein? Alors, euh, nommé pas tout, mais je ne nommerai pas tous, mais il ouais. faut. Japon, États-Unis, euh, Canada, Grande-Bretagne, France, euh, Russie. Là, il m'en manque un. Bon, c'est pas grave. Mais cela étant là, je vais vous dire, c'est très, très, très important. Surtout que le Canada veut un siège. Au conseil, au conseil de sécurité des Nations Unies. Oui. Alors, tout ça, là, vous voyez, c'est tellement imbriqué l'un dans l'autre. Vous m'avez parlé de l'Inde tantôt. Je reviens à l'Inde. C'est quand tu fais une gaffe là-bas, mm -hmm. ça te revient comme un boomerang d'Australien d'en face. Tu as intérêt à te replacer, puis vite, puis il ne faut pas que le G7 soit un, un échec. Ça, je vous le dis. Puis, il y a tellement de questions importantes dans le G7. Et comme vous dites aussi bien, là, on joue un peu. Ben, M. Trudeau joue son avenir. Au niveau mondial, oui. c'est clair. Au niveau mondial. Oui. C'est clair. Parce que. C'est clair. Tout de suite, là, c'est quand même une parenthèse que, que je veux ouvrir c'est que euh, son voyage en Inde, la presse mondiale nous a traité <laughs> non, le non, pays non, de pays de CLOWF. Non, 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 non. On avait, avait l'air fou. On a eu l'air fou. On, avait, on a eu la foule point de la ligue. Vous vous, je voulais vous dire. Je ne peux pas vous en dire plus que ça. Passons à un autre appel. La date, c'est bien rétabli. J'espère qu'au G7, ça va bien aller. Puis bon, souhaitons-nous bonne chance. Euh, Michael, je. Euh, une autre question. Une autre question. Vous devez en trouver oui. un autre. Sortons dans vos papiers, Madame ça, Payette. Bien. Une autre question. Une autre question. Okay. Mais je fais rien, je vais revenir à pareil à madame qu'elle Jean. Qu qu a? Sa folie des grandeurs, oh, ça ne ben l'a pas, ouais, pas arrêté. Ça pas l'a arrêté. secrétaire générale de l'Organisation Internationale de la, de la Francophonie. C'est quoi là? Elle, elle arrêtera jamais ou bien. Non, la, là? Et moi j'ai l'impression. Le pire, c'est qu'il vient de renouveler son bail pour cinq ans. Et M. Trudeau a supplié tout le monde de la réunir. Ben, ben, m. Couillard est en arrière C'est important la langue française. Que... Vous savez, la représentation de la terre. Ben... Euh, mais moi, je pense qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va dire à quelque part, au sein de la, de la Fédération des langues françaises, ou je sais pas trop comment ça s'appelle, le Conseil des langues françaises, nanana, c'est dire là, madame, madame Jean, c'est assez, le secrétariat, là, vous allez vous calmer, pompon, là. Parce que, euh, quand clair. on regarde, là, j'ai sorti ça vite, là, 500 000 pour rénover un appartement. Ben oui. Parisien, 20 000 pour l'achat d'un piano, chauffeur privé à la disposition de son mari, Hein. Qui n'a aucune fonction officielle. 50 000 pour un séjour à New York et blablabla, et blablabla on pourrait en mettre encore. Euh, mais là, au ça arrête. Moi, je pense que quelqu'un qui t'avait de tirer la. Non, je dirais pas tirer la plogue, Mais quelqu'un qui. Moi, je pense. Il y, a eu, il y a eu des petites conversations qui se sont faites entre le premier ministre. Oubliez pas que M. Couillard est allé à Paris. Oui. Il y a eu une petite conversation avec M. Macron, qui est le président de la France, voilà. et, le, et, 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 et le premier ministre, M. Edouard, de, de, de la France. Et moi, je suis certain que ça, ça a été un point lors du jour. Peut-être plus discret, ça n'a pas fait l'objet d'un communiqué. Non, ça n'a pas fait aucune manchette. Euh, non, non. Moi, je pense ça. que non, mais je pense que quelqu'un qui est allé piquer une petite Josette à Michael même Jean, calmez-vous, là. C'est assez, là. C'est assez. Il euh... n'en reste plus, hein? Bon, oui. Ah bon. oh, non? Un seul rapport d'impôt. Oui, ça par exemple. Ça par exemple, à peu près tout le monde le veut, sauf M. Couillard. On peut-tu dire ça de même, parce que euh, ça, ouais. si, si on faisait ça. Okay. Un seul rapport d'impôt ouais. géré par Revenu Québec. Ouais. Économie aux deux paliers du gouvernement de 500 millions par, par année. Année, année là, On s'entend oui, par, par, par année. Puis on dit que très facilement, euh, le gouvernement du Québec, Revenu Québec, pourrait gérer très facilement ses, ce rapport d'impôt-là avec ses 12 100 employés ouais. au gouvernement. Vous voyez sourire, là? Oui, mais il y a les 5 000 employés fédéraux qu'ils n'y trouveront pas d'eau. Ouais, ouais, ils n'y trouveront pas d'eau, il mais de ils vont aller travailler ailleurs. Mais oui. le problème, il n'est pas là. Il est où? Moi, j'aimerais ça avoir juste un rapport d'impôt. Tout le monde aimerait non, ça. Non, ai, oui. je, je vais vous expliquer pourquoi. Au Québec, oui. puis là, le Québec, qui doit verser 50 millions par année au gouvernement du Canada, là avec les impôts et tout ok là, il dira au gouvernement fédéral, écoute-moi bien, fédéral... Tu te rappelles-tu la facture que je t'ai envoyée de, de, en 1998? Là, pour la crise du verglas? tu me douais 182 <laughs> millions. Je t'annonce que je t'ai envoyé un chèque moins 182 millions. Tu sais, l'immigrant, les les, hein, hein, là, c'est 146 millions, millions là. <laughs> oh, tu me déduire cet argent là oh, Je vais le déduire. Moi, je ne suis pas sûr que l'opposition vienne pas plus d'Ottawa que de Québec. Je pense que M. Couillard aurait intérêt à reviser sa position. Oui, parce, parce que il, ça, je dis qu'il reviendrait sur le dossier, mais il y revient mais pas. Est un... okay. moi, mais, moi, je pense que la pression qui va se faire parce qu'au PQ, à Québec solidaire, CAC, tout le monde est d'accord. Oui, mais je choix, pense oui. que ce serait une très, 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 très bonne chose. Là, on pourrait avoir un fédéralisme à une seule vitesse et non pas à trois camps. C'est-à-dire, tu me dois de l'argent, je le déduis. Je t'envoie le chef de la différence. C'est tout à fait normal. Ça. Oui, okay. exactement. Voilà. Euh, <laughs> il reste euh, pas beaucoup de temps. Okay. Il reste à une un, trois minutes que <laughs> je vais vous donner, maître Marc. <laughs> Euh, on sait que euh, Monsieur ah. Gendron, après 42 ans de, de règne en Abitibi-Ouest, ne se représentera pas euh, comme, euh, comme candidat euh, du Parti québécois dans Abitibi-Ouest. Euh, il laisse un bel héritage, ah, Monsieur hein. Gendron. Et puis, euh, mais juste en gros, qu'est-ce que vous retenez de lui ben, en fait, ce que je retiens de François, c'est clair, c'est clair, clair, clair. Si François Gendron n'avait pas été là, je n'aurais pas été en politique. Ça, c'est clair. En partant, c'est François Gendron. À un moment donné, on avait parlé, puis distraitement, on parlait de bien des affaires, puis il dit, euh, « Chose est partie pour le bloc, là, ça ne tente pas d'y aller. » Allez à Ottawa, c'est je vais faire là. Et, et c'est comme ça que petit à petit, on en avait parlé, puis François ah. m'avait convaincu. Gars, je vais t'aider, je suis dans le comté. C'est vrai qu'effectivement, il y avait Abitibi West, puis à ce moment-là, j'avais Amos, Lassar, mm. Barreau. Puis là, il me restait le Témiscamingue, me à Témiscamingue avec. Bon, écoutez, c'est vraiment ça. Mais moi, ce que retiens le plus de François, c'est C'est ça. C'est d'être capable de dire François.

il n'y en aura plus jamais, c'est fini. Il reste lui, puis M. Paradis, là, mais qui, 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 a, qui, a, une, qui a une trentaine d'années de carrière politique. Ouais, 3, 4, Toutes les 4, autres, 3, là, regardez, c'est fini. La carrière politique, pour un politicien aujourd'hui ou une politicienne, ça dure un temps. Et tu vas faire... Non, faire attention dire ça. OK, je vais te dire ça, pareil. Bon, vous allez faire comme Jean-Martin Hossin. c'est-à-dire, vous allez faire de la politique un bout. Vous avez, vous allez aller faire une autre carrière et vous allez y revenir. Il jamais, vous ferez 42 ans. Puis moi, François, jamais, jamais, jamais. Je je, je n'ai que des bons mots. Je l'ai vu travailler dans des dossiers. J'ai encore une image encore la, la semaine dernière. On a travaillé sur le dossier de la détention d'Amos. il connaît tout le monde. Ouais, non, il, il connaît tout le monde. Et puis, puis il les connaît tous les dossiers. Tous les dossiers. Tous les il les a tout fait, sauf le ministre des Finances. Ouais. Fait qu'il connaît toute, toute, toute la gang. regarde. Qu quand lui, il traverse la chambre ou ben non. Non, il, fait, il, il, il traverse même plus, il, fait, il dit à Mon ami, viens donc ici, je vais à tout. Parler dans un dossier, moi-là. Là, je dis ça, là, c'est du respect au club. Oh, oui, exactement. Euh, oui, puis je... il était respecté aussi ah, par tous les participants. Partout. Il n'y a personne, personne, personne. Puis, puis j'y suis allé, ça connaît une parlementaire à Québec. Puis j'y suis allé souvent. Il n'y a personne qui a un petit mot à dire mais c'était ça. Sa porte de bureau était toujours ah. ouverte et puis euh, il pouvait aider tout le monde. Fait que, bravo, monsieur. Ben, euh, bonne chance à celui qui va avoir, celui ou celle qui va prendre sa place. Maître Mar merci beaucoup. Maître Omer, je vous souhaite un bon été. Et, et on oui, va essayer on de, va, de se revoir. On va essayer de faire du vélo cet été. C'était ah ce là pour arriver. Mesdames et messieurs, merci de votre grande fidélité à cette émission, toujours grandissante d'année en année. Je vous souhaite un bel été. Surtout, soyez très prudents. Au revoir et merci.